C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez dire avec moi encore. Alléluia. 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 Praise God. Praise God. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, il est digne d'être élevé, il est digne de glorifier, alléluia, parce que sans lui, nous pouvons rien faire. Comme le chant vient de dire, c'est pas grâce, c'est pas grâce, frère, c'est pas la grâce de Dieu. Oh, béni soit l'Éternel pour sa grâce chaque jour, alléluia. Il renouvre sa grâce envers nous. Oh my God, quel privilège que nous avons de avoir chaque jour grâce renouvelée. Alléluia, nous pouvons même pas dire que « Ouais, Seigneur, donne-moi ce que tu m'as donné hier. » Non, il dit que « Aujourd'hui, je vous donne. » Alléluia, béni soit l'Éternel pour cela. Nous pouvons encore compter sur lui. Alléluia, comme ce matin, quelqu'un m'a dit que « Oh mon Dieu, oh qu'est-ce que je peux faire ?» S'il n'est pas là avec moi, elle m'a même dit que, oh my God, les dimanches matins, je suis là, c'est là que je me fortifie, c'est là que je prends la parole, parce que les fois je peux pas sortir, mon mari est couché là, et je suis là avec lui aussi, alors je peux pas bouger, mais le dimanche matin, elle a dit que j'entends à 7h le matin, dimanche matin, pour écouter encore la parole de Dieu. Well, que le Seigneur vous bénisse richement encore. Alléluia, c'est un plaisir pour nous, puis être là avec vous pour partager encore la parole, la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, alléluia. Pas la bonne nouvelle de Louisa, hein? C'est la bonne nouvelle de Jésus. Parce que tout ce que nous allons dire, c'est vraiment dans la parole de Dieu. Notre vie est contrôlée par la parole. Et chaque jour, nous fait tous nos efforts encore d'être contrôlés, alléluia, par la parole de Dieu, parce qu'il nous a dit que aussi, quand il voit la foi en nous, il est content. C'est ce qui lui plaît. Quand nous mettons encore nos confiances à l'Éternel. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle la sœur a dit que, oh là là, je prends le plaisir le dimanche matin pour être à l'écoute, parce qu'elle veut encore plaire l'Éternel. Alléluia. Elle veut que sa foi, et c'est comme ça que notre foi augmente encore, c'est par la parole. Quand nous écoutons et nous pratiquons, amen, la parole, nous méditons aussi la parole, notre foi, oh là là, là là, parce que, laisse-moi te dire, il y a des choses qui viennent, alléluia, pour attaquer notre foi, alléluia, mais nous tenons ferme. Les fois, c'est la raison pour laquelle aussi qu'elle ne peut pas sortir. Les fois, les épreuves qui est là, les fois, la maladie qui est là, oh, qui nous guette là, mais elle a dit que je tenis la foi, je tenis du corps, moi pas qu'à faire, moi coucher là-haut et en train de pleurer. Elle a dit non, je tiens encore, alléluia, à la parole de Dieu, alléluia, béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Seigneur, merci encore pour sa parole, merci pour cette grâce qu'il nous donne chaque jour, pour notre foi puisse grandir encore, pour nous puissions encore connecté à lui malgré les situations. Mais il nous a dit, ne peux pas, ne restez pas anxieux, mais suppliez encore vers lui,
prier à corps, adresser la situation vers lui et nous dit que jamais il nous a laissé. C'est pas dans les difficultés que il va nous a laissé. Non, c'est là que il est là avec nous. Alors il nous dit encore prendre courage. Merci l'Éternel mon Dieu que tu nous dis de prendre courage. Alors nous prenons encore courage dans la situation, quelle que soit l'Éternel, mon Dieu, que les situations que tu permettes à corps, l'Éternel, mon Dieu, nous appuyons sur toi, alléluia. Nous mettons encore nos regards, nos focalisations sur l'Éternel qui peuvent nous aider, alléluia. Il nous promet, et nous savons qu'il est un Dieu qui est fidèle. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Et c'est la raison pour laquelle que Jérémie a dit que, oh, malgré les situations autour de lui, même si ce qu'il vit, mais il dit, je sais une chose, qu'il renouve encore sa grâce, il renouve encore sa compassion envers ses enfants, envers ceux qui le craignent, alléluia. Alors c'est cet espoir que nous avons à l'Éternel, parce que il est promis d'être là, il est promis de renouveler. Alors ni espoir qu'il va te donner la victoire. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là encore ce matin, alléluia, pour parler encore des épreuves dans notre vie et comment nous pouvons encore vaincre les épreuves, alléluia. Alors ce matin, je suis content d'avoir Pasteur Olivier, comme je lui dis que ça fait longtemps que il n'est pas venu avec nous, mais c'est un plaisir. Même pas tout le temps, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça fait longtemps, je ne pas voir cet pasteur là. Il a dit que c'est lui là de petit corps, il est petite taille. Alléluia. Alors bienvenue Pasteur Olivier, merci d'être là avec nous, c'est toujours un plaisir, hein? Et je crois qu'il y a beaucoup qui disent, voici mon petit pasteur. C'est un privilège, je suis vraiment heureux d'être là. Je dis bonjour déjà à toute la Martinique, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent dans la Caraïbe aussi. Ah. Je veux remercier aussi l'apôtre Marisa Pojoué qui m'a permis d'être là, le pasteur Luisa, monsieur Granier également. Je suis heureux d'être avec vous et aujourd'hui, on va pouvoir partager encore la parole de Dieu. Amen. C'est le amen. But. C'est ça. Parce que nous sommes dans un temps, mon Dieu, alléluia, que beaucoup parlent et nous voyons même ce matin encore, je parlais avec quelqu'un, elle m'a dit que, oh là là, c'est la foi que nous devons tenir. Oh maman, oh là là, les épreuves qui sont là. Est-ce que tu as vu ce qui se passe dans le monde? Je dis oui, autour de nous. Nous pas ni pour aller loin. Il est autour de nous, les fois dans nos familles, les fois à l'église. Oh, les épreuves qui sont là. Mais voici ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, prenez comme un sujet de joie. Un sujet de joie, il a dit, béni soit l'Éternel. Et même aussi, regarde ce que des Thessaloniciens, regarde ce que des Thessaloniciens nous avons dit, des Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 4. Les épreuves. Alléluia, que nous n'aimons pas. Pasteur, tu aimes les épreuves, non? Ah, j'aime, non. Mais elles sont nécessaires. Mais non. C'est nécessaire pour notre foi. Hein? Pour notre foi, c'est vraiment nécessaire, les épreuves. Yes, yes. Oui, il a dit que aussi nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. Il dit que je suis tellement content. Je glorifie encore le Seigneur pour vous.
Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, est-ce que le Seigneur est dans la joie quand il voit que le pasteur Luciano, le pasteur Olivier et le pasteur Luisa, dans ces épreuves, est-ce que je peux me glorifier à cause de notre comportement? Est-ce que comment nous avons agi, comment nous faisons, comment nous parlons dans les épreuves? Parce que nous voyons que dans les épreuves, nous sommes prêts à... Oh my God! Oh, c'est trop! Même ce matin encore, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh là là, je veux mourir! Je dis, shut up, shut up, shut up, shut up. Ah, femme là. Elle m'a dit, oui, mais je veux mourir parce que c'est trop dur, c'est trop dur. Ah non, ah non. Je dis que... On ne peut pas passer à rien là, on a dit qu'on est mort. Elle a peut-être, non, j'abandonne tout, je laisse. Je ne veux pas attendre parce que mon cas est mort, Parce que comme les épreuves sont là, les fois, c'est comme ça que certaines... Et chrétiens, hein? Oui, chrétiens, chrétiens aussi, hein? Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est là pour ramener nous. Et Paul dit que, oh là là, il glorifie le Seigneur. Et Jacques avait dit aussi que, Jacques 1, chapitre 4, il dit, comptez comment suis-je de joie. Comptez comment suis-je de joie. Quand tu vis dans les situations qui sont hors de ta force, et c'est ça les épreuves, c'est les expériences qui viennent. Et tu trouves que, oh mon Dieu, je n'ai pas la force de supporter. Et encore, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas supporter. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, dans la vie, ou qu'est-ce que parce que Jésus même dit que dans la vie, nous aurons les tribulations. Exact. Nous aurons des épreuves qui sont là. Mais moi, je vaincu. Mais si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas vaincu. Hein? Amen. C'est cette foi que nous avons, qu'il a déjà fait pour nous. Et parce qu'il est à dedans de nous, nous pouvons aussi vaincre sur les épreuves. Et mon frère, les fois, il y a venu, il y en a pris l'autre. Exactement. C'est lui qui attend nous. Les fois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les épreuves qui attendent nous, surtout quand nous sommes dans la foi. Comme nous t'a dit tout à l'heure, là, les fois, plus tu es dans la foi, c'est plus que... niveau le niveau des épreuves. Well, je laisse pour toi, hein, peut-être tu peux nous dire encore, hein, c'est quoi les épreuves. Hein. Je sais que tu es jeune, moi pas quoi que tu as déjà passé des épreuves. Mais ça passe épreuves, celui-là. Mais moi apprendre, fais bon Dieu confiance. Mm-hmm. Au travers des épreuves. Yes. Et tout ça, il y a tellement vrai. Il y a un verset, moi les prends aussi, qui a confirmé, qui a mené nous encore dans la même direction. C'est 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13, qui a dit nous, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Surpris, ouais. Comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui, Pasteur Luisa, je ne sais pas qui est dans la fournaise en ce moment, mais bon Dieu qui a dit dans la parole là, pas trouver corps surpris. C'est pas étrange. Faut pas ou sentir corps surpris. Pas trouver ça étonné, étrange, que aujourd'hui, on dans la fournaise. Yes. Mais la fournaise là, là pour éprouver nous. Et la suite versée qui bien. Il a dit ça, dit tout à l'heure. Qui c'est qui a dit non encore dans verset 13? Oui, réjouissez-vous, au contraire. Parce que des fois, le nom des preuves, là, quand il a dit, des fois, certains gens qui ont pleuré, qui ont gémi. Parce que oui, des fois, les preuves sont difficiles. Yes, yes. Mais comment est-ce que la Bible qui a dit non, à dans tel moment qui est difficile, il a dit non, réjouis-nous, au contraire. Et quand il a dit,
les épreuves, nous avons diverses épreuves. Mm-hmm. Nous avons des problèmes l'argent. Ouais. Nous avons des problèmes maladie. Mm-hmm. Un monde qui m'a eu des problèmes à dans couple ou bien dans relation. Ouais. Bon, là nous avons réalisé certains qui ont fait cette dans saison en nuit, nous avons remarqué que nos parents qui ont dit ça, ils ont trouvé ces chambres rebelle. Les chamaïs là qui viennent de plus en plus rebelles, c'est considéré que yoza savent toute bagaille ou peut pas enseigner yo parce que c'est yo qui savent. Yeah. Et pourtant yo poko vivre situation hein. Ouais, yo poko gens passe dans situation hein. Ouais. Mais c'est considérablement yo savent toute bagaille, yo courant dit toute bagaille et que ou pas ça va. Donc nous quoi ouais, il y a diverses épreuves, ça peut être la maladie. Ça les besoins, les besoins. Finances, là, c'est tout dans ce temps-là. Ça peut être la persécution. Yeah, on a un voisin qui a persécuté, il a insulté. Ça peut être un problème aussi dans le travail, là, on est, et puis collègue, et puis patron. La Bible dit nous, faut pas être triste. La Bible dit nous, au contraire, faut qu'on réjouisse. Pouti, parce que vous avez par aux souffrances de Christ. Bon Dieu souffert. C'est nous qui avons souffert parce que lui a. Jésus qui était trône de gloire. Jésus était tout bagay, pas tes bousins à un. Jésus, ouais, nous a dans souffrance. Jésus, ouais, nous a dans difficulté. Jésus, ouais, que nous pas caché bien encore. Quand on dit, mon nom qui dit, parce que lui a, m'en les tue comme moi. Jésus, ouais, il y a des gens comme ça. Jésus qui était tout ça, il était de plus meilleur. Il descend à sous la tête pour chacun de nous. Injustement, il a fouetté. Il a bêté 39 coups de fouet. Il a crevé tête li puis en couronne d'épines. Il a raché babli. Il a cloué tout ça, bah nous. Nous qui étions méchants, nous qui étions volés, nous qui étions sorciers, nous qui étions cafés. Tellement bagay qui pas bon, Jésus pas gardé à ça simplement. Il vini pour sauver nous. Il souffert, chacun dit nous. Donc, ma carrière pour verser, il ne faut pas nous trouver ça étrange. Je dis que nous avons passé une épreuve. Puisque Jésus vit épreuve là. Et ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus, comme on dit, il vaincu. Jésus a été victorieux dans l'épreuve. Et parce que Jésus t'es victorieux dans l'épreuve, je dis à quel que soit l'épreuve là, nous qui a passé, ou qui a écouté mon qui a passé, Jésus capable pour la victoire, parce que lui-même il passait et il réussit. Et parce qu'il réussit, je dis à mon passant, il en dit dans la vie, sous accepté comme sauveur ou comme maître, mais sous fait ça, il a beau force et courage pour triompher dans l'épreuve. Et si vous pouvez obéir la vie, au quatrième mois, je dis, ah, c'est la meilleure solution. C'est pas le maman qui est dans l'épreuve là. C'est pas papa, c'est pas fiancé, c'est pas copain, c'est pas l'agent. Mais c'est Jésus qui est capable de boire en force surnaturelle Surnaturel, pour pouvoir passer l'épreuve là et sortir victorieux. Ouais. Parce que les fois, les épreuves sont tellement dures. Et c'est ça aussi. Les épreuves, c'est en force qui vient. Derrière toi que tu n'as pas cette force de avoir peut-être la finance pour même pouvoir pour tes enfants et tu vois que mon Dieu les dettes se montent. Exact. Les factures viennent, EDF vient, ODC vient et tout cela et on dit que mais oh là moi qu'ai trouvé l'argent là, oh là moi qu'ai trouvé force là, tu vois que ton corps est malade, on dit oh là moi qu'ai trouvé force là. Oh. C'est pas même l'argent là qui s'abat au fond ça. On nous d'accord. Et c'est comme si maintenant nous avons parlé, Magari senti que il y a des chefs d'entreprise, ben là, red bazot en ce moment. Lui, ils savent passer, ben là, red bazot en ce moment. On a dit, comment n'y est-ce qu'il fait? Ou quoi gratter tête ou lorsqu'on pas qu'à dormir? Ou quoi réfléchir parce qu'on n'y employé, il faut qu'on paye, il faut travailler. Ou pourquoi même savent comment n'y est-ce qu'il fait? Solution là toujours. C'est vrai. Jésus-Christ capable, force là. Il dit non, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par mon esprit. Alléluia. Si ou belle la vie, si vous fonctionnez et puis, Saint-Esprit qui est bon en qualité modèle de force et qui est ouvert la porte bon pour réussir. Il est capable de faire ça. Mais pour ça, il faut qu'on fasse confiance. Ouais. Et c'est pour cette raison que
Jacques avait dit de compter comment suis-je de joie, parce qu'il veut, il veut, il sait que, oh, quand tu as des épreuves, tu as la tendance de douter, tu as tendance d'être dans la anxiété, tu as la tendance d'être dans la peur. Exact. Et jusqu'à temps que tu veux prendre ta vie, oh, tu deviens même oppressive. Mais il dit que non, continue comme. Parce que Dieu a promis d'être là avec nous. Il est là. C'est comme nous voyons l'exemple de Job. Hein? Exactement. Il dit que Job, restez put. Il restait put dans la foi. Et oh là là, il est venu. Mais Dieu, il était là. Exact. C'est ça, il voulait dire. Je suis là avec vous. Mais ben, là, c'est que si ton regard, c'est hors de lui. Si ton regard, c'est simplement sur l'argent. Est-ce que je te dis? Le preuve qui a venu plus difficile pour toi. Mais quand tu focalises sur lui, tu fais confiance. Oh là là. Parce que l'utilisation dit est tellement important. Et pour répondre, ma quelle première verset à quoi ou choisir aussi Jacques. Ouais. Jacques qu'a dit nous qu'on dit à mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Completely. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pas y en a les différentes épreuves. Mais il dit non, ben hyper important. Il dit mais regardez comme un sujet de joie. Lorsqu'on est dans une épreuve qui est difficile, la Bible dit qu'il faut qu'on garde ça comme si j'ai de joie. Mais regardez, il a dit là, c'est pas qu'on garde comme ça. Il est doux, discerner, essayer de comprendre pour qui ou qu'a passé à dans ça. Il y a un verset comme moi, il m'en pile, ça dans Ecclésias 7, verset 14. Il a dit en bagaille. Ezekias? Ecclésias. Oh, Ecclésias. 7, 14, qu'a dit non, en bagaille. Vous savez ce qu'il y a de voir sur lui, ça? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Les tout bagailles qui allaient bien, réjouis-toi. Fais la fête, réjouis-toi. Sauter sous les danser, chanter. Il dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a créé l'un comme l'autre afin que l'homme ne sache pas qu'est-ce qui vient après lui. Ça veut dire que l'on en épreuve. La Bible dit regarder comme un sujet de joie. Ça veut dire discerner. Qui ça qui fait qu'on a dans l'épreuve là? Parce qu'il y a plusieurs types d'épreuves. On y a l'épreuve qui a venu dit bon Dieu, épreuve qui est qualifié, qui est bâti, mais il y a des épreuves aussi que nous on dit dans parce que c'est faute nous. C'est vrai. Parce que nous prenons des mauvaises décisions. Yeah. Parce que nous désobéissons bon Dieu. Donc nous avons trouvé que nous aussi dans des épreuves. C'est pour ça que la Bible a dit nous, regardez. Comme un sujet de joie. Ça veut dire discerner l'épreuve là ou Adam là. Si l'épreuve là qui a venu dit bon Dieu, il y a sa bonne force là, il y a sa bonne courage là pour te réjouir corps. Mais par contre, laissez-vous qui désobéit. Et si vous discernez qu'on désobéit, le premier bien, il faut qu'on fait, c'est demander pardon. Puis si vous désobéit, bon Dieu, Seigneur, je vais demander pardon, je vais reconnaître comment je vais pour faire ça et m'en faire. Je vais prendre un exemple. Yo dou ko c'est papi boukta fò kou maye. Yo dou c'est papi madame ta fò kou maye. Mon pa katan, c'est je l'aime, je l'aime. Ah, je l'aime, il est tellement beau. Elle est tellement belle. Elle parle tellement bien. Ah, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime et puis lò maye, tu mon croire que c'est pas je l'aime, je l'aime. Ou regarder ces founèz là qui ont dit dankay là. C'est diféa qui ont dit dankay là. Mon nom te maye et puis là on dit que mais c'est pas qu'il connaît lui. Si moi c'est pas même mon nom. Est-ce que yo trompé moi sur marchandise là? Eh ben non, yo pas trompé sur marchandise. Ou désobéi, yo te dou non. Mais c'est ça au télé parce que je l'aime, je l'aime, je l'aime. On peut aimer, c'est pas ça qui a fait vivre heureux simplement. Il n'y a plus que ça, faut qu'on aille encore plus que ça. Parce que déjà, il faut qu'on
savent si mon nom m'a et puis là, est-ce que mon temps est en structure, on a créé ça la structure de Christ. Est-ce que c'est un monde qui aimait bon Dieu? Est-ce que c'est un monde qui aimait parole bon Dieu? Est-ce que c'est un monde qui n'y a tché pour les choses de Dieu? Est-ce que c'est ça mon une structure là? Parce que vous savez, ben, il peut y avoir plusieurs monde qui n'y en structure qui correspond et puis nous. Mais il faut que nous n'y en structure qu'on bon Dieu l'est. Mais des fois, nous avons fait des choix personnels. Et puis après, nous avons crié en moi. Et puis, nous avons nous fait dans l'épreuve là. Ah ouais, bon Dieu, pas qu'à ouais, moi. Ah ouais, bon Dieu, pas qu'à attendre moi. Ah, mais si bon Dieu était là, ah bon, mais est-ce que c'est lui qui nous fait ça? Peut-être que ce n'est pas jamais lui qui nous fait ça, ou fait nous-mêmes. Et moi, prends un exemple mariage, mais ça peut même être une entreprise ou un autre bagaille. Bon Dieu, d'où c'est pas actuellement fait qu'on fait. Bon, on décide de faire. Et puis après, on va venir crier, plaire en moi. On va accuser bon Dieu. Parce que l'être humain, l'un en monde qui a vivant problème parce que lui-là difficile soit qui c'est qui fait en premier faut qu'il cherche un responsable faut qu'il cherche un bouc émissaire c'est ça nous on m'a dit il qu'il cherche un bouc émissaire regardez un bouc émissaire ça veut dire qu'il cherche un monde pour mettre faute là en soi nous fait ça parce que nous permet prendre responsabilité nous des fois c'est vrai regardez qui ça qui fait depuis Adam bon Dieu dit Adam ou pas qu'à manger fouillard. Regardez tout ça, il y en a plein. Ou est-ce seulement ça? Pas mais, pas manger fouillard, parce que jour où on fait ça, on est mort. Adam, qu'est-ce qu'il fait? Adam mange. Là, il mange, bon Dieu, il vient, bon Dieu dit, Adam, est-ce que ou mangez fouillard, ou pas manger? Qui ça, Adam dit? Adam, t'es pas dit? Mais Seigneur, effectivement, ma carrière connaît. Oui, c'est vrai. Seigneur, ça vrai. Ou te dis-moi pas faire ça, m'en fais, m'en fais mille comme moi. Qui ça a d'en fait? Oui. Adam dit, mais c'est Seigneur, madame l'on met à côté moi. Madame l'aïe blanc. C'est lui qui bat moi, et puis là il bat moi, m'en mange. Ça veut dire que, au fait, Seigneur, si pas te mettre Eve à côté moi, m'en pas qu'elle te mange fouillard. Yes. Ça c'est le manque de responsabilité. Et beaucoup d'entre nous, nous agit comme ça. Et qui ça Eve fait? Eve te dit, mais Seigneur, parce que bon Dieu dit, mais Eve, c'est pour qui sont fait là? Eve dit, mais Seigneur, c'est pas moi, mais c'est Diabla qui fait ça. Ça veut dire que si Diabla partait proposer moi ça, moi pas été mangé. Oui. Faut que nous, dans la société, aussi, nous apprenons que responsabilité, c'est nous. C'est vrai. Ou fait ben là, prendre responsabilité. Ou échouer, accepter qu'on échoue, et puis garder comment nous avons fait pour virer, reparti. Et que, c'est ça. Parce que aussi, plus nous pas recogniser que c'est nous qui avons le problème, c'est plus les épreuves restent. Et ça va durer plus longtemps. On est d'accord. Ça va venir plus dur encore parce qu'elle ne pas jamais reconnaître que voici ma faute. Voici ce que j'avais c'est fait ça. Aussi. Nous permet ça des fois prendre responsabilité. Ou fait bien là, dis ou fait. Je vais prendre un deuxième exemple. C'est qu'on peuple Israël là. Pareil, il était souffert. Il était sous l'esclavage. Sous l'épreuve encore. Pharaon a fait fouetter, il était sous l'esclavage. Bon Dieu qui a venu qui a délivré. Il a passé la mer rouge. Et ils sont arrivés à une première épreuve, puisque le désert qui a représenté l'épreuve. Ils arrivent à dans un désert épreuve. Ils ont bon Dieu ouvert la mer rouge. Ils ont bon Dieu né ces Égyptiens. Ils ont bon Dieu Égyptien, mais tellement puissant. Bon Dieu fait des choses surnaturelles. Ils ont tout ça par celui-là. Et c'est dit, ah bon Dieu, si bon Dieu ouvre la mer, en la mer, bon Dieu ouvre pour faire passer. Bon Dieu fait tout ça miracle. Ou quand dit mais en bon Dieu comme ça moi j'ai quoi pour me ben yo fait les yo qui mentait glo yo prêt à tuer Moïse yo prêt à battre Moïse pour montrer en ben encore qu'est-ce qui fait à un moment donné yo peuple était tellement fatigué il dit comme ça moi t'ai préféré rester à Pharaon en Égypte pouti parce que t'es ni melon t'es ni pastèque t'es ni cocombe t'es ni tout ça qui ça encore Moïse de les tuer, yo ka fait bon Dieu reproche. Moi m'a dit en baie en nous vini responsable. Lorsqu'a vivant épreuve. Mandé mon Dieu bon force et puis courage, mais pas ériger tes fautes là en l'air, madame, ichou, etc. Prends responsabilité. C'est vrai. Prends responsabilité. Amen. Parce que là nous qu'a vivant épreuve, on peut venir en but. Ouais. Bon Dieu, pas qu'il faut passer pour un peuple parce qu'il y a environ souffert parce que je suis supposé bon Dieu là, puis qu'il a dit bon, aujourd'hui, je vais tirer tout l'argent en l'eau, je vais faire souffrir, et puis bon Dieu content. Non, les noirs dans l'épreuve, bon Dieu compatissant, et puis nous. Chez nous, cassé, chez bon Dieu cassé aussi.
Mais en bagaille, bon Dieu les nous réussit épreuve là. Mm. Parce que là, nous avons épreuve là, c'est l'ange là aussi là qui a regardé. Ouais. On dit, ouais, il a réussi, nous avons compté à suivre. Il y a l'épi nous, il y a envie où nous réussit pour nous triompher. Parce que bon Dieu les nous victorieux, Pucci, parce qu'il est victorieux. Yeah. Et victorieux, il est victorieux, il est nous fonctionner comme ça dans la victoire. Mm-hmm. Les bon Dieu qui a mené nous à dans l'épreuve, c'est parce que parfois il est parlé à dans battre nous. Mm-hmm. Des fois, nous avons fait nous. Nous avons fait ça fait nous. C'est vrai. Et puis nous pas qu'à prendre temps et puis bon Dieu parce que nous tellement à dans ça fait nous. Des fois bon Dieu parce que les a béni nous puis en travail. Yeah. Bon Dieu qui a béni nous puis en travail, nous pas de travail. Bon Dieu béni nous l'argent qui a rentré ou bien ou acheté en nouveau maison ou un immeuble ou tout bien ou bien ou juste achant l'auto neuf. Mm-hmm. Ou qu'a commencé prier moins. Mm-hmm. Ou qu'a commencé aller moins l'église. Ou qu'a commencé diminuer et bon Dieu fini béni nous. Donc les bon Dieu qui a voir que l'argent travaille là bon là qui peut-être fait au pet go. Paix de salut, bon Dieu, qu'a mets-toi dans le désert pour attirer l'attention, pour montrer qu'on agit mal, pour montrer qu'on a paix de corps, il faut qu'on arrête ça pour revirer à lui qui permet tout d'y agir convenablement. Ça arrive comme ça aussi, Pastor Lisa. C'est combien de fois aussi que vraiment. Nous éloigner de Dieu. Exactement. Et puis, et c'est ça qu'il va utiliser hein, pour nous puisse prendre conscience, pour dire, oh, ma vie de prière, ma vie d'études, ma vie de méditation, oh là là, je suis tout le temps sur la méditation de, oh là là, ma voiture, ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, voilà. mais tout, pas mon Dieu, pas le Dieu. Alors, les fois, il utilisait ça bien. Oui. Et il m'a réalisé aussi, ça s'en constamment en fait, Ibrahim. Parfois, là, nous vivons une épreuve, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, je réalise ce qui a fait aussi par celui-là. Bon Dieu, sans sous-glo. Parfois, là, nous, une épreuve là, qu'on dit, une épreuve là difficile. Et il faut ça, il faut gémir. Ou qu'on dit que, mon vie mort. Je vais vivre continuer encore. Pour ça, qui ça, des fois, les croyants, le plus souvent, des fois, qu'a fait, ça, moment, ça, nous, qu'a éloigné comme nous, dit sous cela, sous gloire qui Jésus a, nous, qu'a éloigné comme nous, qu'a commencé à prier moins. Nous, qu'a commencé à louer bon Dieu moins. Nous, qu'a commencé à dire, bon, il y a étude biblique, il y a école de croissance. Ouais, m'en fatigué, elle est difficile. Donc, nous avons commencé à être ni moins motivation pour aller à Bossus Gloa. Nous avons moins étudié parole là. Nous avons fait un petit jour jeune, bien malement par semaine, nous avons commencé à arrêter fait. Donc, nous avons éloigné comme nous du sous là. Mais plus ou éloigné comme du sous là, pli épreuve là qui est difficile. C'est considéré dans le désert ou ni en oasis glo ou ni en côté qui ni en point glo ou qu'a sorti qui ni était qui ni point glo à gloire qui est rafraîchi ou gloire qui est bon force pour avancer et pourquoi les marcher à dans le désert là pour essayer de débrouiller tout seul mander d'autres monde secou ou bon ou en bon, sous glo et sous glo ta c'est Jésus. Et David dit en bagaille, le roi David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Parce que David réalisait en bagaille, il réalisait que l'on a dans la présence de bon Dieu. C'est la bon Dieu qui est bonne force. Qui ça, David dit encore dans le psaume 34? David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Yes. Ça veut dire, qui n'y épreuve? Qui pas n'y épreuve? Qui m'en joie? Je suis là. Qui m'en la peine? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen, amen, amen. Me l'ai dit, frère, moi, c'est moi, je dis, sous qu'à vivre des moments difficiles dans l'épreuve. C'est pas le moment d'y arrêter louer bon Dieu. C'est pas le moment d'y arrêter d'adorer bon Dieu. Mais c'est le moment d'y renforcer louange. C'est le moment d'y renforcer adoration. C'est le moment d'y chercher, en technologie, en méthodologie. Sous qu'à vivre des épreuves, prends bibou. Cherchez les versets qui parlent des épreuves. Gardez comment c'est mon an, vive épreuve là. Et qui ça y a fait pour sortir en dedans épreuve là? Là, ça qui est bon force, ça qui est bon courage. Mais nous, nous avons délaissé parole là, mais c'est parole là qui est aidé. Qui ça la Bible dit nous? La Bible dit nous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous pas là pour entendre la parole de Dieu, comment on aurait fait? Comment?
L'ovini l'église, qui sont dans l'église, la parole de Dieu. Ou qu'elle vive la communion fraternelle. Ou qu'elle dit la communion fraternelle. Oui, la Bible qui s'est dit nous dans le psaume 139, il dit nous qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dit nous parce que c'est là que bon Dieu qu'a vrai quoi la bénédiction. Lorsque vini à dans communion fraternelle ça yo qui peut prier bon. Ou que j'ai un frère en ce qui peut dire plus force. Ou que peut son pasteur prêcher un message ou bon prédicateur prêcher un message et bon Dieu qui parle bon en dit dans message là. Ou que sentir que vie pas puis en force. Mais il des monde qui a venu à dans assemblée là. Léo dit parce que Lisa yo prêcher dit amen. Mon a traversé. Pouchi a pas moi puis c'est mon ta parce que c'est des hypocrites. Pas moi puis yo parce que pas quand même dit moi bonjour. Ah bon? Combien on vini ba ki moun? C'est vrai. On vini ba bon Dieu en culte. Le dimanche, nous ka vini au fait bon Dieu en culte. Dieu il est nous au fait en culte exclusif. Ça veut dire qui ça? Il est que c'est lui que nous ba première place là. Toute place là, c'est pour lui. En premier, ou pas qu'à venir ni pour frère, ni pour sœur, ni pour pasteur, ou qu'à venir d'abord au fait, bon Dieu, en culte. Par rapport à tout ça, il fait, bah, nous, en disant, si maintenant, nous qu'à venir remercier, nous qu'à venir porter louange nous et adoration nous, bah, l'éternel. C'est ça, nous qu'à venir faire le dimanche. Et quand tu donnes à Dieu, même celle-là qui n'a pas dit bonjour, ou quand je souhaite que ou quand arrive la personne allô bonjour ma sœur avec une amour parce que premièrement tu as regardé mais si tu viens c'est pas moi pour faut que moi quand il y a qui monde qui dit moi bonjour qui et moi celle qui a vivre en difficulté mais personne m'a pas savent qui ça m'a vivre alors et puis ou là dans une attitude et c'est la raison pour laquelle que il nous dit de réjouir c'est pas être dans la tristesse tous les fois tout le monde n'est pour savent que Je suis dans une épreuve parce que notre visage, notre manière de parler, notre manière d'agir avec l'un et l'autre. Les fois, oh là là, oh my God, j'ai pas vu cette sœur-là. Oh là là, il y a quelque chose qui ne passe pas bien avec elle parce que vous savez que depuis dans l'épreuve, au Bakaway. C'est ça. Et il nous dit que non, soyez dans la joie. Soyez dans la paix, parce que l'Éternel est là avec nous. Ce n'est pas le moment d'abandonner tous les fois. Oh. C'est vrai. Des fois, nous m'a abandonné le travail, mais toujours, première chose, nous regardez, je ne vais pas à l'église. Hein? C'est vrai. Et Boué nous dit que ne faudra nous pas négliger. Ce n'est pas le moment que tu es dans les épreuves pour dire que je ne vais pas aller à ce côté. Mon bagarre, mon crash c'est quand même. Oh mon Dieu, c'est ça que l'ennemi veut. Et qu'à bas ou à quoi il bat. Parce que changer à quoi c'est ta foi. Il nous dit que soyez dans la joie parce que c'est ta foi qui est en train de tester. Exactement. Et là où abandonner, ça veut dire que oh là là, tu faiblis dans la foi. T'es on est d'accord. Tu faiblis dans la confiance à l'Éternel. Tu faiblis dans sa parole parce que tu dis que j'abandonne. Et l'ennemi dit que, oh, et nous avons vu avec aussi Job cet exemple dans ces épreuves-là, que, même il y a des personnes, nous parlons de ça aussi, les personnes aussi que nous dans les épreuves, comment de choisir des bonnes personnes. Exactement. Pour être dans le bon endroit, parce que tu peux être parmi ceux qui est oh là là, ils sont tellement négatifs, oui, ils ont plongé les personnes qui sont toxiques, ils ont plongé plus encore dans les épreuves parce que tu commençais à parler négatif et c'est important, il dit de ne négligez pas l'assemblement, alléluia, avec l'assemblement qui parle de Christ, l'assemblement de Christ, l'assemblement de l'Esprit de Dieu. Parce que même David, qui nous dit qu'il ne faudra pas prendre des conseils méchants. C'est quand ça. Tu es dans les épreuves, oh my God, c'est il y a ça. Des conseils qui n'est pas dans la gloire de Dieu. Il dit ne pas associer que nous aux méchants. Ah ouais, et alors on est pour faire très attention pour nous puissions savoir
où que nous où là nous qu'à placer qu'on nous parce c'est que c'est ça. Ça c'est soit que notre foi va faiblir ou soit foi nous qu'à rester inébranlable. C'est ça. Et il y a bien aussi qu'on faut que nous bien comprendre. Nous déjà dit faut la Bible qui a dit nous dans Jacques regarder comme un sujet de joie. Quand nous déjà dit regarder c'est discerner épreuve là. Garder dans qui ça ouille en ce moment. Et les cas de nous comme un sujet de joie complète. Bon, j'ai pas d'où, par exemple, que l'or des preuves, là, ça veut dire que faut qu'on rit en moi, rit. C'est non, pas ça, non. C'est pas ça, les dit, comme un sujet de joie complète. Hein. Ça, bon, j'ai dit, nous, si moi, je simplifie bien là pour comprendre. L'or dans épreuve difficile, ça, bon, j'ai dit, il est, et c'est comme ça qu'on a sorti victorieux, c'est dans l'épreuve là. Bon, j'ai dit que nous fait confiance. Oui. En confiance, total. Parfois, certains gens qui ont une épreuve, ils ont une famille de gens qui sont non-croyants, qui sont pas enfants de Dieu, qui sont pas enfants de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Mais c'est à dans ces gens-là que ils les confient à eux. Ou dans l'église-là, ou qu'a dit comme un ado ou enfant de Dieu. Donc, les tout-bas, ils allaient bien, ils allaient bien, etc. Et puis, là, ça pas qu'à aller, ou qu'a montré qu'ils sont tristes. Ou c'est le plus triste. Ça pas qu'à aller. C'est lui qui a confié que pour dire, frère, tu n'as pas qu'à dire bonjour. Il a mal agi et puis moi. Et moi, pas ni l'argent. Mais l'autre dit ça, est-ce qu'on pense que vous avez envie de venir dans l'église? Non! Parce qu'on a montré que bon Dieu, on a servi à son bon Dieu qui est faible. Mais c'est on a montré que bon Dieu est faible. Mais bon Dieu est qui tout puissant. Hein? C'est pas ça qu'a dit nous. L'air où a des preuves là, fait confiance totalement. Ça veut dire que même si elle a fait mal en dedans, mais quand on a telle force en une épreuve là, qu'on arrive à être serein. Yes, ça veut dire qu'on est en paix. Ou pas déstabilisé. Ou pas qu'on crie en mort. Parce que quand on a la force pour tchébé qu'on fait fort. Comment on a senti victoire dans l'épreuve là encore? Parce que à dans l'épreuve là, bon Dieu le corps ou fait confiance totalement. Mais bon Dieu aussi qu'a bâti. Ça veut dire que bon Dieu qu'a formé ou, pour aller plus loin. Pour qui? Parce qu'il est nous aller de gloire en gloire. En gloire. Ça veut dire que l'on passe épreuve ta là, ou comprenne pour tout passer. Bon Dieu, bon, la victoire, il a plus fort, ou qu'a venir plus fort. Prochain épreuve là, ou qu'a encore bon Dieu qui agit en faveur. Yes. Donc ça a plus en plus confiance. Et puis les bon Dieu qui a même tout dit par ça dans des épreuves, sou bien comprendre ben là ou qu'on vient plus mature. Ça veut dire que ça analyser ben là différemment. Ou que ça prendre épreuve là et puis en l'autre perception. Et ou que ça qui attitude qui comportement ou pour nous. Ou pas que arrêter les bibles là au contraire que les bibles. Parce qu'on sait que comme moi dans épreuve là, l'autre les bibles là ou qu'il y a en force. Ou pas que arrêter prier parce qu'on sait que l'autre qu'a prié, Jésus t'a dans épreuve ou non? Jésus t'a dans le jardin de Gethsémané. Qui ça y fait dans jeune cette manière? Il vient, il met ses couilles à jour, il dit Père, sous tes pieds éloignés, épreuve ta, dis-moi. Coupe ta, trop difficile. Mon paquet, il s'apprend. Éloigné, dis-moi, soupe. C'est pas ça, moi, finalement. C'est volontairement les qui fait. Mais Jésus pas abandonné. Jésus fait ça pendant trois fois. Là, il fait la première fois, là, il vire ses disciples, il a fait qui ça? Il a été qu'à dormir. Il était qu'à ronfler pendant Jésus à d'un bail difficile. Ça veut dire que ça veut dire que ou peut-être initialement nous allons confier quoi en où il y a pas qu'il bon aide là au bousin, il y a pas qu'il bon conseil là au bousin parce que Jésus l'est que c'est lui où venir Jésus est ouais le père éloigne coupe la soupe. Ben là difficile en les mains, moi pas qu'arriver encore, moi peux pas. Ben là regardez comment est Satan là qui a tourné autour du dans le jardin, il a tout menti pour dire moi parler parce que Jessica et Kepéry parler et parce que laisser Jessica périr. Mais moi dis comment non, Jessica Pepéry, Olivier Pepéry, Jean-Luc Pepéry, Christine Pepéry, à cause de yo m'a calé jusqu'au bout. Même si m'a ka souffert, m'a calé jusqu'au bout. Amen, pour amen, amen, et c'est amen. Ça Jésus fait, il allait jusqu'au bout malgré Satan qui a tout menti, malgré tout veut tout seul Judas trahi, il dit à cause des autres m'a calé jusqu'au bout. Et il priait. Et qu'est-ce que la Bible dit nous? La Bible dit nous que Jésus commençait à prier dans le jardin. C'est ça qui fait là, il priait. Jésus priait tellement fort. Un ange. La Bible dit nous qu'un ange de l'Éternel vint
pour fortifier. Mm-hmm. Ça veut dire que l'Ordre, pour pouvoir prier, la prière qu'a fortifié. Il qu'a bon force pour continuer à avancer. Mm. Amen, amen. Donc, ça veut dire que l'Ordre, il parle là. Parole là qui est bon la foi, parole là qui montre les stratégies, comment il y a pour faire, comment il y a pour pas faire, mais lorsque prier, la prière qui est bon la force, l'énergie et la direction pour aller, pour avancer, pour pas abandonner. Amen, 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 amen. Alléluia. Well, notre temps est parce que là et c'est là et béni soit l'Éternel. Paul dit que moi qui réjouis dans les souffrances, il dit que moi qui brag, I will boast. Yes. Oh my God, parce que il était un homme qui déjà passait toutes sortes d'épreuves, les afflictions, les persécutions, toutes sortes de y passer là. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit de réjouir, parce que l'Éternel, même quand l'Éternel est avec lui, il est avec vous, il est avec moi. Et Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Exactement. Alléluia. S'il dit que je serai avec vous, il serait là avec vous dans les mauvais, comme les choses sont bonnes. Il est là. Alléluia. Fais confiance Amen. À l'Éternel dans les temps difficiles. Oh là, tu n'as plus de force de le faire, plus de force de parler. Fais confiance à l'Éternel et tu verras encore la gloire de Dieu dans ta vie, dans la situation. Amen, béni soit l'Éternel. Nous avons beaucoup d'exemples, même notre propre vie, hein, nous voyons la gloire de Dieu dans les épreuves. Et nous sommes là pour te dire, fais confiance à l'Éternel dans tes épreuves. Et où qu'il a, soyez encouragement pour un autre aussi. Si tu as déjà passé et tu as vu la gloire de Dieu, sois un encouragement pour les autres. Amen. Béni soit l'Éternel. Et nous disons à la prochaine, à la prochaine. Nous allons continuer encore dans la foi, dans les épreuves, comment que nous devons tenir avec la foi. Alléluia. Tenez fort. Amen. Alors nous disons à la prochaine et nous disons merci, Pasteur Olivier, d'être avec nous pour nous donner encore cette force, alléluia, pour nous puissions être musclés pour combattre les situations dans notre vie. Well, sois béni et sois béni encore. Merci frère. Et puis soyez bouillants pour le Seigneur. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Et merci Zouk TV encore de nous permettre encore, alléluia, de partager cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par Seigneur,